La loi et la promesse par Neville Goddard. Chapitre 5. Des fils subtils. Traduction et narration par Julie Deka. Des fils subtils. Tout ce que vous voyez, bien que cela apparaît à l'extérieur, c'est à l'intérieur, dans votre imagination, duquel ce monde de la mortalité n'est qu'une ombre. Blake. Rien n'apparaît ou ne continue d'être par un pouvoir propre. Les événements se produisent parce que des activités imaginaires relativement stables les ont créées et qu'ils continuent d'exister grâce au soutien qu'ils reçoivent de ces activités imaginaires. Le rôle que joue l'imagination du souhait réalisé dans la création consciente de circonstances est évident dans cette série d'histoires. Encore, le rôle que joue l'imagination du souhait réalisé dans la création consciente de circonstances est évident dans cette série d'histoires. Vous verrez comment le fait de raconter une histoire d'utilisation réussie de l'imagination peut servir d'aiguillon et de défi aux autres pour l'essayer et voir. Un soir, un homme s'est levé dans mon public. Il m'a dit qu'il n'avait pas de questions à poser, mais qu'il aimerait me dire quelque chose. C'était son histoire. Lorsqu'il est sorti des forces armées après la Seconde Guerre mondiale, il a trouvé un emploi qui lui a permis de toucher un salaire net de 25 dollars par semaine. Au bout de 10 ans, il gagnait 600 dollars par mois. À cette époque, il a acheté mon livre, L'imagination éveillée, et a lu le chapitre Les sécataires de la révision. Grâce à la pratique quotidienne de la révision, telle qu'elle l'y est décrite, il a pu dire à mon public 2 ans plus tard que son revenu était égal à celui du président des États-Unis. Dans mon auditoire était assis un homme qui, par ses aveux, était fauché. Il avait lu le même livre, mais il a soudain réalisé qu'il n'avait rien fait de l'utilisation de son imagination pour résoudre son problème financier. Il a décidé qu'il allait essayer de s'imaginer comme le gagnant de la poule 5-10 de l'hippodrome de Caliente. Encore, il a décidé qu'il allait essayer de s'imaginer comme le gagnant de la poule 5-10 de l'hippodrome de Caliente. Selon ses propres termes, dans cette poule, on essaye de choisir les gagnants des courses de la 5e à la 10e. C'est donc ce que j'ai fait dans mon imagination. Je me suis tenu debout en triant mes billets et en me disant que j'avais chacun des 6 gagnants. J'ai joué cette scène encore et encore dans mon imagination jusqu'à ce que je ressente vraiment la chair de poule. Puis j'ai vu le caissier me donner une grosse somme d'argent que j'ai placée sous ma chemise imaginaire. C'était tout mon drame imaginaire. Et pendant 3 semaines, nuit après nuit, j'ai joué cette scène et je me suis endormie dans l'action.
Après 3 semaines, je me suis rendue physiquement à l'hippodrome de Caliente et ce jour-là, chaque détail de ma pièce imaginaire a été réalisé. Le seul changement dans la scène a été que le caissier m'a donné un chèque d'un montant total de 84 000 $ au lieu de devises. Après ma conférence, le soir où cette histoire a été racontée, un homme dans le public m'a demandé si je pensais qu'il était possible pour lui de reproduire l'expérience de TK. Je lui ai répondu qu'il devait décider lui-même des circonstances de sa scène imaginaire, mais que quelle que soit la scène qu'il choisisse, il devait créer un drame qu'il pourrait rendre naturel pour lui et imaginer la fin avec toute l'intensité possible. Il ne devait pas travailler pour trouver les moyens d'atteindre la fin, mais vivre avec imagination dans le sentiment que son souhait était réalisé. Un mois plus tard, il m'a montré un chèque de 16 000 $ qu'il avait gagné la veille dans une autre poule de 5 à 10 sur le même hippodrome de Caliente. Cet homme avait une suite à sa reproduction la plus intéressante de la bonne fortune de TK. Encore, cet homme avait une suite à sa reproduction la plus intéressante de la bonne fortune de TK. Sa première victoire lui a permis de régler ses difficultés financières immédiates, bien qu'il ait voulu plus d'argent pour la sécurité future de sa famille. De plus, et c'est plus important pour lui, il voulait prouver que ce n'était pas un accident. Il pensait que si sa chance pouvait se reproduire une deuxième fois de suite, la loi des pourcentages lui permettrait de prouver que ses structures imaginaires produisaient réellement cette réalité miraculeuse. Il a donc osé mettre son imagination à l'épreuve une seconde fois. Une seconde fois. Il continue. Je voulais un compte bancaire important et cela signifiait pour moi voir un solde important sur mes relevés bancaires. C'est pourquoi j'ai imaginé une scène qui m'a amené dans 2 banques. Dans chaque banque, je voyais un sourire reconnaissant de la part du directeur de la banque lorsque j'entrais dans son établissement et j'entendais le salut cordial du caissier. Je demandais à voir mon relevé de compte. Dans une banque, j'ai vu un solde de 10 000 $. Dans l'autre banque, j'ai vu un solde de 15 000 $. Ma scène imaginaire ne s'est pas arrêtée là. Ma scène imaginaire ne s'est pas arrêtée là. Immédiatement après avoir vu mes soldes bancaires, je me suis tournée vers mon système de course de chevaux qui, par une progression de 10 étapes, portait mes gains à 11 533 $ avec un capital de départ de 200 €. Je diviserai les gains en 12 piles sur mon bureau. Je diviserai les gains en 12 piles sur mon bureau. En comptant l'argent dans mes mains imaginaires, je mettrai 1 000 $ dans chaque des 11 piles et les 533 $ restants dans la dernière pile. Ma comptabilité imaginaire s'éleverait
à 36 533 dollars, y compris mes soldes bancaires. Pendant moins d'un mois, j'ai mis en scène toute cette scène imaginaire chaque matin, chaque après-midi et chaque nuit. Et le 2 mars, je suis retournée sur le circuit de Caliente. J'ai fabriqué mes billets, mais bizarrement, sans savoir pourquoi, j'ai dupliqué 6 autres billets exactement comme les 6 déjà fabriqués. Mais lors de la deuxième sélection, j'ai fait une erreur et j'ai copié 2 billets 2 fois. Lorsque les gagnants sont arrivés, j'en ai gardé 2, chacun 2, ayant payé 16 423,50 dollars. J'avais également 6 billets de consolation, chacun d'eux coûtant 656,80 dollars. Le total combiné s'est élevé à 36 788 dollars. Un mois auparavant, ma comptabilité imaginaire avait totalisé 36 533 dollars. 2 points d'intérêt, les plus profonds pour moi, étaient que par un accident apparent, j'avais marqué 2 billets gagnants de la même façon et aussi qu'à la fin de la 9e course, qui était l'une des plus importantes, l'entraîneur a tenté de gratter le cheval, mais les commissaires ont refusé la demande de l'entraîneur. AJF. Comment les fils qui ont mené à son but étaient-ils subtils? Les résultats doivent témoigner de notre imagination, sinon nous n'imaginons pas du tout la fin. AJF a fidèlement imaginé la fin et tout a conspiré pour l'aider à récolter. Son erreur en copiant 2 fois un billet gagnant et le refus du commissaire d'accéder à la demande de l'entraîneur ont été des événements créés par le drame imaginaire pour faire avancer le plan des choses vers son but. Amen. Le hasard, a écrit Belfort Bast, peut être défini comme l'élément du changement de la réalité, c'est-à-dire de la synthèse fluide des événements, qui est irréductible à la loi ou à la catégorie causale. Encore. Le hasard, a écrit Belfort Bast, peut être défini comme l'élément du changement de la réalité, c'est-à-dire de la synthèse fluide des événements, qui est irréductible à la foi, à la loi ou à la catégorie causale. Pour vivre sagement, nous devons être conscients de nos activités imaginaires ou en tout cas de la fin à laquelle elles tendent. Nous devons veiller à ce que ce soit la fin que nous désirons. L'imagination sage ne s'identifie qu'à des activités qui ont de la valeur ou qui sont bien prometteuses. Wow. Bien que l'homme semble avoir affaire à un monde matériel, il vit en réalité dans un monde d'imagination. Encore. Bien que l'homme semble avoir affaire à un monde matériel, il vit en réalité dans un monde d'imagination. Lorsqu'il découvre que
ce n'est pas le monde physique, des faits, mais des activités imaginaires qui façonnent sa vie, alors le monde physique ne sera plus la réalité et le monde de l'imagination ne sera plus le rêve. Waouh! Encore, lorsqu'il découvre que ce n'est pas le monde physique des faits, mais des activités imaginaires qui façonnent sa vie, alors le monde physique ne sera plus la réalité et le monde de l'imagination ne sera plus le rêve. Wow. Est-ce que la route monte jusqu'au bout? Oui, jusqu'au bout. Est-ce que la journée de voyage prendra toute la longue journée du matin au soir, mon ami? Christina Georgina Rossetti, Monté. Waouh! Waouh, waouh! Nous sommes à la fin de ce chapitre 5. Alors, si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'étais pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et en le faisant, tu n'oublies pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et surtout, un message si important qui nous permet d'avancer dans notre vie et enfin de vivre nos rêves et non de rêver nos rêves. Voilà, publier ce message important tout autour de vous. C'était Julie Descartes. Bye bye.